Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquidosat 666 pour l'épisode 14 de Darksiders 2. Et voilà, c'est trop marrant parce que dans l'épisode précédent, je découvre enfin tout seul à quoi servent les pages. Et pendant que je tournais l'épisode, j'ai reçu un commentaire sur le premier épisode qui me disait « Ah, les pages à la fin que t'as trouvé à la fin, ça te sert à acheter des coffres chez Vulgrim. » Et moi je trouve ça trop drôle. J'avais dit que j'allais le savoir par commentaire, mais alors ça, c'est quand même marrant que je l'ai su par commentaire au même moment où je le découvre par moi-même dans le jeu, quoi. Donc moi, ça me fait rire. Ah, j'ai pas de carte. Ah, c'est embêtant, ça. Se trouver les coffres sans carte, c'est un peu plus compliqué. Ah, c'est... J'allais dire, c'est quoi ce truc rouge qui me poursuit? Mais ça n'avait rien à voir. Alors... Waza, vas-y! Normalement, je suis dans les temps. Ouh! Ça, pas besoin de s'embêter. Quoi, il y a des trucs... Ça tourne. Attention, j'arrive. Non, non, non! Ça a pas sauté. Oh, comme ça me gonfle quand ça saute pas. En plus, j'ai bientôt plus de vie. Allez. Saute ce coup-ci. Bien, camarade. Saute. Bien, camarade. Et voilà. Je suis dégoûté, j'ai appris il y a pas longtemps, vous ça va pas vous parler, mais quand j'étais plus petit, je regardais une série qui s'appelait Mission Impossible 20 ans après. Donc c'est de là d'ailleurs d'où sont tirés les films Mission Impossible, hein. Ils sont tirés de la série Mission Impossible, sans vraiment être tirés de cette série parce que c'est une autre histoire, mais voilà. Et en fait dans cette série il y avait un type que j'aimais bien et qui s'appelait, je sais plus le nom de l'acteur, je sais plus le nom du personnage, je crois qu'il s'appelait Jim, bref, non Jim c'est le personnage principal, je sais plus son nom, vraiment un personnage que j'adorais et j'aimais bien l'acteur, et dans une mission il s'est passé pour un communiste, il fait que taper tout le monde camarade et je trouvais ça trop classe, et j'ai appris que cet acteur était mort vraiment peu de temps après avoir tourné cette série du sida, donc bon bah tant pis. Je suis triste parce que bah moi j'aime pas quand les gens célèbres ils meurent. Enfin célèbres ou pas d'ailleurs, mais j'aime pas quand les gens meurent. Mais quand ils sont célèbres, ça m'attriste encore plus que quand ils ne le sont pas. Oui, c'est bizarre comme comportement, je sais bien, mais bon. Vous avez vu, c'était écrit R2 quand même. Hein. Mais comme il avait décidé de tirer comme une brute, et ben. C'est une foutage de gueule. Heureusement que je réapparais là quand même. Ouh, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah non, dis-moi pas que le saut que je peux même pas sur lequel je peux même pas interférer déconne. Ça aurait été le coup de trop là. What's up? J'ai eu peur, c'est assez approximatif quand même. Hop. Enfin non, c'est pas du tout approximatif, mais la caméra donne l'impression que ça l'est. C'est sympa comme endroit ici. Ah oui, je crois que je vous ai dit dans un autre épisode quand même, c'est dingue que quasiment tous les trophées de jeu sont masqués, donc c'est plutôt cool. Ça c'est la porte qu'on voyait au début, je parie. Et ça c'est où je dois aller. Ça sent le boss. Oh. Ah non. Ok, c'est genre la nouvelle ville de cet endroit.
C'est le chancelier qui vous envoie. J'ai déjà vaincu la mort une fois, cavalier. Et je peux le refaire. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parler. Bien sûr que non. Vous empestez l'espoir. Avec un cheval qui s'appelle Désespoir. Chancelier. Qui aurait peur d'un simple chancelier? Il crache son maudit venin dans l'oreille du roi depuis des siècles. C'est lui qui règne sur le trône éternel. Il est exigeant. Qui es-tu? Je suis le maître des lames. Tout ce qui reste d'un guerrier qu'on nommait Draven dans le royaume des hommes. T'as une épée pointée dans l'épaule, mec. J'aurais dû plonger dans le puits des âmes depuis longtemps. Et t'as un bout d'épée dans le bras. Tout ça pour tomber sous le joug du roi. J'achète tout. Voilà. J'ai un dépensé 100 et quelques 1000 et j'ai gagné un succès, un trophée. Et une potion. Toi, je vais te vendre des trucs. Mes armes de boss, je vais les vendre, elles ne me servent plus à rien. Ah non, mais c'est un grimoire. Je sais pas à quoi ça sert ces trucs là, un message reçu. D'accord, en fait le Tribularium c'est le truc multijoueur. D'accord, ça c'est une quête secondaire en fait. Ok, ok. Je pourrais avoir une dernière petite potion s'il vous plaît. Donc là, techniquement, en me battant, je vais faire des nouvelles techniques, je sais même pas ce que c'est. Nul n'approche la baron Zizou sans l'accord de son chancelier. Le voici. Ou pas. Mon maître veille sur ce royaume. Une tâche qui vous dépasse, cavalier. Parce que vous avez l'impression d'être utile. Et bim ! Ce moyen de tirer de son sommet. La reine dorée. Elle offre une chance aux mortels de s'affranchir de la mort. Une faveur qui a eu une audience avec le roi. Affronter le champion de la reine. D'accord. Et rapportez-moi à son crâne. Sa majesté pourra alors vous recevoir. Et où est cette arène? Dans ton cul. Ah, ici. Ouais. C'est trop prévisible. Laissez-moi parler au roi. Ah, la classe. Même vous, je vous épargnerai, chancelier.
moins la classe. Vous ne pouvez tuer ce qui est déjà... Non, mais on peut le bannir. Parlez-moi un peu du roi des morts. Son règne est éternel. Sa parole. Je veille à ce que vous ne devez pas le voir. Ok. Si vous arrivez quelque chose, j'aurais du mal à me le prendre. Oui, c'est ça. Et j'ai encore eu un niveau, hein. Alors, je vais mettre ça. De toute façon, je pense que je vais tout acheter ici. C'est quoi ça? Quel niveau? 12, c'est tout? Ah ouais. Attendez, on va encore améliorer cette arme. J'aime bien la... J'ai une arme... La hache... Ma hache, pardon, s'appelle... En fait non, j'ai pas eu de niveau, on m'a donné un point de compétence, c'est tout. Mon niveau, je vais l'avoir dans pas longtemps. Je vais voir ce qu'il y avait dans ce trou en fait tout à l'heure. Ok. Je suis déçu. Je pourrais pas créer un chemin un peu plus simple. Plutôt que de faire Spider-Man. Spider-Man. Spider cochon. Spider cochon. Et on va aller dans l'arène. Qui à mon avis porte bien son nom. Tiens, il y a l'arbre là-bas. Un marchand. Arrête de fumer ta pupe. Ta pupe, ta pipe. Nouveaux objets venus de tous les horizons. Oui, j'en ferai. Non, je ne veux pas le vendre. Parce que ça vaut rien et que bon, ça reste sympa, même si c'est, je le considère pas vraiment comme utile. Une porte pour ouvrir une porte. Arène dorée. Ouais! Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé une pierre. Soit je peux choisir de descendre encore. Ouais, on va descendre encore. Ah, c'était à l'autre étage ou c'était un... Je sais pas à quel étage faut aller, c'est chiant. Ça, ça sent plus l'arène déjà. D'accord. Fallait pas aller à cet étage, fait chier. Parce que c'est pas que les escaliers sont un peu longs, mais grands, un peu grands, mais quand même.
Quelle lanterne? Je suis perdu. J'ai trouvé. Non, mais j'ai pas fait ça. Enfin, si, j'ai fait ça, mais je suis trop con. Non, je me disais bien qu'il y avait un coffre. Il est où l'autre coffre? Oh non, hé! Bon, ça tombe bien parce qu'au passage j'ai réfléchi, je me suis dit s'il est pas en haut, il est encore plus bas. Et je l'ai trouvé. On va voir ce que j'ai drop. Non, c'était encore une fois pas ce que je voulais faire. Plus 18% de dégâts critiques, plus grande résistance, pas intéressant. On va voir si je peux manger des trucs. Manger. Quand même sympa ce système d'armes maudites possédées. Maudite, possédée, c'est pareil. Ouais, c'est sympa comme tout. Ah, voilà la reine. On va encore se taper un petit boss. Une statue me parle. Ce que j'allais dire, il est pas mort. On parle à des statues là. Cet hôtel contient les âmes de tous ceux qui l'ont massacré et dévoré. D'accord, en fait c'est un donjon le reine. Unleashed the beast. C'est bon, ils ont fini de parler les statues? Hein? Bon, voyons voir par où aller là-bas. Bon, ça permet de descendre dans l'arène. J'espère que tout à l'heure, quand il y aura le champion, on aura du public un peu. Parce que sinon, c'est chiant. Donc ici, ça va être pour la première pierre d'âme. Désolé pour les petits fruit. Je me grattais le crâne. Ok, je vois le genre. Thank you.
Attendez, je crois que je pouvais tomber encore plus bas. Oui, mais c'est con. On va voir ce que j'ai droppé quand même sur les coffres. Une nouvelle faux insignifiante. Non, je voulais pas augmenter la défense ce coup-ci, j'ai fait une fausse manip. Pas grave. Waouh! Je crois que ça va être le temps d'utiliser mes nouvelles techniques. J'ai quand même utilisé une potion hein, pour survivre. Hein. C'est fini? Oh oh. Comme d'hab, hein, tout en finesse. Des ennemis ou ça? Bon bah voilà, je m'en suis plutôt très bien sorti, on va dire. Un peu comme un bourrin, mais je m'en suis sorti quand même. Pas intéressé. Là, j'ai un nouveau pouvoir. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs. Ah oui, si, c'était là où je voulais voir. La tournoya... Enfin, quand on tourne avec la fosse, que ça fait. Ah ouais, voilà. En fait, c'est vraiment violent, quoi. Des bombes. Ah, elles étaient instables. Il n'y a pas des sortes de miroirs? Non, je t'avais pas vu toi. Je dois utiliser une bombe là-dessus. Waha! Faut que je le pose où ce truc? Ah là! Non. Faut que j'en fasse quoi?
C'est le moment de te rendre utile. Ah. Ah, je viens de comprendre. C'est le poids du truc en fait qui était important. Je pensais qu'il fallait... Putain. Oh, ça fait des dégâts. Ah non. Ouais, comment je pensais qu'il fallait... servir de la lumière en fait, mais ça en faisait plus. Alors je me suis dit, putain, ils se foutent encore de ma gueule. Bon, ça sera pour plus tard. Ah non, c'est-à-dire que je peux récupérer la lampe. Ah, il m'arrive de réfléchir, mais c'est rare. Très rare. Tiens, chop là. Voilà. Bon, après... En fait, on se déplace même pas lentement. Hein. Il est fort et agile à la fois. Quoi qu'on est un peu ralenti, je trouve. Et puis on peut pas faire les roulades. Il n'est pas non plus... D'accord. Ah mais c'est génial ça, le petit mode chevalier qui consiste à ouvrir les portes, etc. C'est cool. Non, il ne veut pas ouvrir. Ah oui d'accord, il faut qu'il y ait ces petits trucs là pour ouvrir. Oh bah dis donc. Et c'est ça, c'est charmant ici, très accueillant. Par contre, même pour faire des trucs pas accueillants, je trouve que c'est classe, donc ça va. Il faut les voir, hein, ces pierres. Je pense que j'en ai raté plein. Et que je vais avoir plein de commentaires du genre, hey, mais t'as raté une pierre, là. Et tu la mets où, dans ta poche? Non mais c'était une blague. Bon, ok. On va faire demi-tour. Ouais. Bon, je veux dire, ça sent quand même l'embuscade. Oh, mais alors c'est ça qui s'appelle une embuscade? Oh, les dégâts que ça me fait. Comment je m'en débarrasse? Pas comme s'il y avait un nid, non, c'est juste que ça apparaît à l'infini, quoi. Je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini. Putain, ils m'ont bien fait mal, hein, les salauds. Les deux sont bien morts, j'ai eu un doute sur le coup. Une clé! Ou la carte? La carte. Les mecs, j'ai pas confiance en vous, mais je me casse quand même. Ouvre la porte. Ah d'accord, on est dans l'arène. Et bim! Une pierre sur trois.
Ah, mais c'est eux qui nous ouvraient les chemins. En fait, j'ai eu de la chance d'être allé directement au premier chemin. Yeah! It's gonna be Kung Fu Fighting! Non, je crois que c'est des potions. Ah oui, attendez, j'ai eu la carte, je veux voir un truc. Non, c'était... Ouais, les escaliers... Non, il n'y a rien en fait, les escaliers... Eh si. Bon, il n'y a pas de coffre. Troll. Mais comment ils veulent que j'aille là-haut, moi? Ah, j'ai trouvé. Mais faut se soucier, se suffise à elle-même. Des fois, j'ai du mal à dire ce que j'ai envie de dire. J'ai pas de truc. Non, je peux pas améliorer, j'ai rien acheté. Alors, 16 de force, 11 de magie. Ah ouais, on perd de la défense. J'ai quand même beaucoup de défense. Et je gagne de la magie, de la force et le pourcentage de retrouver. J'ai envie de dire pourquoi pas juste me prendre des dégâts assez impressionnants, mais je fais plus de dégâts aussi. Donc à un moment il faut choisir. Donc là je peux pas y aller pour le moment, je peux aller là. On va quand même aller dans le chemin qui nous indique. Ce serait bête de pas aller dans ce chemin là. Oh, je te vois, toi, le coffre spécial. Il te manque une lanterne, vieux. D'accord, en fait, ici, je n'ai rien à faire. Trompé de sens. C'est coincé. Ici c'est la bonne enfin la bonne direction. C'est une des directions. Mais non. D'accord. Donc c'était où j'étais. J'ai rien vu. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, j'ai des bombes là. Où est-ce que je vais bien pouvoir les mettre? Là. Tu vas péter, ouais. Et je vais aussi les mettre à un autre endroit. Pardon. Excuse-moi, je t'attrape. Et je vais aussi en mettre là. Voilà. Et on va visiter ici parce que officiellement c'est pas le chemin le plus logique. Ok, j'ai totalement foiré mon truc. Mmh.
faudrait que j'aille de l'autre côté. Ah bah. Quelle question. Ouais, une page de chapitre. Enfin, plutôt... J'en ai 5 sur 10. Dis donc, ça va être dur à trouver. Je sais même pas ce qu'on débloque. Non, je veux pas regarder là. Ici, y a rien à regarder, de toute façon. Là non plus. Et voilà, c'était pour aller au coffre que je voyais tout à l'heure et qui me perturbait tant. Ah non, même pas. Rien à voir. Bon. Ça fait déjà bien 36 minutes. Ah. Oh merde. On va faire ce combat. Donc je disais, on va faire ce combat, on porte la lampe et je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. D'accord, on verra ça plus tard. Ah oui, le juge des âmes, c'est un labyrinthe où il faut trouver en fait des morceaux de solutions dans le monde. Allez, à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut !